Hello, hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Comment je vais appeler ça un vlog? Je vous explique pourquoi. Parce que là, je filme, on est le 26 mars, il doit être quelque chose comme 20h et quelques. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait hier soir. Hier, on était le 25 mars et je suis allée voir le concert de Green Day. Donc du coup, c'est pas vraiment un vlog, c'est pas vraiment une vidéo face caméra. C'est juste que je voulais vous faire partager le concert que j'ai vécu hier. Donc le concert de Green Day. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les images du concert. Thank you.
to come and home for the first time. I dodged a bullet and I walked across a landmine. J'espère que cette petite vidéo du coup sur le concert de Green Day vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le groupe était super, super énergique. Faut savoir que le concert, il a quand même duré 2h30. Donc c'est quand même énorme. Aussi, c'est un groupe qui est vachement proche du public parce que je sais plus ce que j'ai filmé exactement. Je crois que c'est la partie où c'est la jeune fille qui monte sur la scène et qui joue de la guitare, tranquille comme ça. Il y a aussi, ils ont aussi invité un garçon à monter et à chanter. Franchement, c'est un groupe qui est super proche du public et j'ai vraiment aimé cette relation qu'ils ont avec leurs fans, donc je trouve ça super bien. En ce qui concerne les concerts, là j'en vois un autre le 22 avril dans la plus grande salle parce que en fait là ils ont fait le concert dans la salle de basket où s'entraîne l'université, je vais y arriver, l'université de Pitt. Donc du coup c'est voilà, c'est une salle quand même déjà assez grande, mais là où je vais aller le 22 avril, c'est une salle qui est encore plus grande. Donc voilà, c'est là où il y a les quand il y a des grandes stars internationales qui viennent, c'est là où elles vont. D'ailleurs, il y a Bruno Mars et Ed Sheeran qui passent cet été, mais forcément je pourrais pas aller les voir. Et je crois qu'il y a Shawn Mendes aussi qui passe au mois d'août. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de stars qui passent, donc c'est trop cool parce que bah, on est à Pittsburgh, c'est pas une grande ville et il y en a pas mal qui passent, donc je trouve que la programmation est quand même énorme. Donc voilà, tout ça pour dire que le concert y a été super, que j'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!